Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 17 avril, je reviens pour un petit point lecture pour vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment. Alors, une lecture plutôt mitigée et une autre vraiment, vraiment chouette. Donc, c'est parti. J'ai commencé par vous parler de la lecture un peu mitigée. Il s'agit de L'inconnu du portrait, qui est le dernier roman de l'écrivaine française Camille de Peretti, que je découvrais à travers ce roman. Je n'avais jamais lu cet auteur. Donc, Camille de Peretti, dans ce roman, elle a développé une grande fresque historique et familiale qui se déroule sur tout un siècle, à partir de grands mystères entourant un tableau de Gustave Klimt, ce tableau qui est celui-ci, intitulé Portrait d'une dame. Alors, en effet, il y a plusieurs mystères qui entourent ce tableau de Klimt. On ne sait toujours pas qui était cette jolie femme dont l'artiste avait peint le portrait en 1916, ni pourquoi le peintre l'avait retouché un an après l'avoir vendue pour lui changer sa tenue et la faire passer sur une. Elle avait une tenue à la base assez populaire et l'affublé un an plus tard, sans même changer son visage, juste l'affublé d'une tenue plus bourgeoise. Donc le mystère reste entier sur ce changement de tenue et cette retouche du tableau. Autre mystère entourant ce tableau, eh bien, il se trouve qu'il a été volé en 1997 et qu'il sera retrouvé en 2019, un matin, emmitouflé dans une couverture dans le jardin d'un musée en Italie, et il n'y a toujours pas d'explication sur le vol de ce tableau et sur cette restitution. Donc beaucoup, beaucoup de mystères autour de ce tableau, portrait d'une dame, et bien du coup, de quoi imaginer bien des histoires. Alors Camille de Peretti, elle a imaginé une incroyable fresque autour de ce tableau et de cette femme autour du mystère entourant ce tableau. Et dans cette fresque, elle fait se croiser les destins de trois personnages principaux et elle nous promène entre l'Autriche et les États-Unis tout au long du XXe siècle. Alors au niveau des personnages, il y a Martha, qui était servante devenue fille-mère à Vienne au début du XXe siècle. Il y a Isidore, un jeune cireur de chaussures à New York, qui deviendra riche grâce à un bon investissement qu'il a fait à la veille de la Grande Dépression. Et puis il y a Perle, une jeune étudiante originaire du Texas, dont la mère va extorquer de l'argent à son père biologique. Sa mère a élevé seule sa fille. Elle va extorquer de l'argent au père de cette jeune fille pour qu'elle puisse réaliser son rêve de faire des études à New York et de devenir avocate. Donc on va suivre les entremêlements de vie et les histoires de vie de ces trois personnages. L'écriture est fluide. Et l'imaginaire de l'auteur est vraiment très très prolifique, peut-être un peu trop à mon goût, c'est vraiment trop romanesque. J'ai en effet trouvé cette histoire vraiment trop rocambolesque pour moi. J'ai trouvé que c'était une succession d'improbables péripéties, de beaucoup de coïncidences plutôt arrangeantes, avec parfois même des hasards facilitants. Bon, voilà, c'est du romanesque, hein, et c'est vrai que je me rends compte à travers cette lecture que c'est pas trop mon truc. J'ai besoin de choses qui soient, on va dire, plutôt réalistes, qui peuvent se passer dans le monde réel. En plus, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même fondés sur des clichés, comme celui clairement du self-made mad américain, ou de la provinciale galérant pour s'intégrer à New York, essayant de masquer son accent texan, ayant des difficultés pour faire sa place à l'université. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché. En plus, je recherchais plus de profondeur dans l'analyse de la vie quotidienne et des pensées des personnages. Je recherchais plus ça, plutôt qu'en fait une simple description
des éléments de leur incroyable histoire de vie. En plus de tout ça, il y a vers la fin plusieurs chapitres qui sont une longue digression sur les histoires sentimentales de Perle, et ça, ça m'a vraiment pas du tout intéressée. En plus, sa passion pour le tableau qui lui arrivera dans les mains et sa quête pour essayer de comprendre ce tableau et pourquoi ce personnage l'intrigue autant, ça m'a paru un peu quand même saugrenu, très peu réaliste. Voilà. Au final, je me suis noyée dans tous ces personnages, dans leurs liens, dans leur vie. J'ai trouvé ça très alambiqué. Et de façon plus générale, je me suis noyée dans cette histoire que j'ai trouvée assez farfelue autour de ce tableau. Excusez-moi. En fait, j'ai tout simplement pas cru en cette histoire un peu trop romanesque et sentimentale à mon goût. Une histoire composée, j'ai trouvé de trop d'éléments incroyables. Et j'ai trouvé les explications que fournit l'auteur quant à l'histoire du tableau très tirées par les cheveux. Alors, je reconnais que c'est une très jolie écriture et qu'il y a un énorme travail de documentation qui a été fait par l'auteur, ça se sent. Les allers-retours entre les époques et aussi entre les personnages sont vraiment très très bien faits. Mais bon, voilà, je crois que c'est vraiment du grand romanesque et c'est pas du tout mon style. Et pour moi, je me suis ennuyée avec cette lecture qui tout simplement ne correspond pas à mes attentes en littérature. Voilà, ceci dit, je recommande vraiment cette lecture aux amateurs de grandes fresques romanesques et sentimentales, aux personnes qui adorent les histoires de ce genre et sur un fond historique et familial. Et aussi, je peux tout à fait comprendre le grand succès que rencontre ce roman, parce que pour les amateurs du genre, c'est vraiment une histoire incroyable, et puis c'est très très bien mené et c'est très très bien écrit. Donc au final, moi je n'ai pas apprécié, parce que c'est pas mon genre, mais je recommande aux amateurs de romanesque ce roman, L'inconnu du portrait, de Camille de Peretti. C'est un roman qui était paru en tout début d'année, il me semble. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il s'agit de Mad, de Daphné Dumaurier, qui est un roman a priori pas trop trop connu de cet auteur. Et je poursuis ma découverte de Daphné Dumaurier parce que, je sais pas si j'en avais parlé en début d'année, je m'étais régalée avec L'Auberge de la Jamaïque, qui m'avait vraiment fait voyager dans la piraterie au 19e siècle. Donc j'avais hâte de retrouver la plume de Daphné Dumaurier, et même si c'est un tout autre genre, je me suis plutôt régalée avec cette lecture. Donc c'est un tout autre genre que nous propose là Daphné Dumaurier, puisque c'est une dystopie, donc c'est très étonnant. Nous sommes toujours en Cornouailles, mais cette fois-ci au 21e siècle, à notre époque. Alors c'est très étonnant, pour une auteure qui est décédée en 1989, eh bien en fait, comme je le disais, il s'agit d'une dystopie qu'elle a écrite au début des années 70 et dont l'action se déroule donc sur ce qu'elle imagine, ce qui se passe 30 ans plus tard, vers l'an 2000. Il s'agit donc d'un roman d'anticipation, une dystopie qui nous projette dans une Angleterre qui vient de se séparer de la communauté européenne. Alors ça, c'est extrêmement visionnaire, super intéressant, ça m'a scotché directement par rapport à l'actualité de l'Angleterre ces dernières années. Et elle nous raconte que l'Angleterre donc vient de se séparer de la communauté européenne et vient de créer une fédération, un État, conjointement avec les États-Unis. Alors, on voit les Américains qui débarquent donc en Angleterre et qui vont venir imposer bien des changements aux Anglais. Globalement, les Anglais sont plutôt satisfaits car ils voient dans cette union avec les États-Unis une voie pour faire sortir le pays d'un grand marasme économique. Par contre, d'autres citoyens se révoltent contre cette tutelle de l'État américain sur l'Angleterre et sur la privation de liberté qui sont imposés au peuple face à des mouvements de contestation qui commencent à se révéler et que les Américains essayent de contenir.
Alors dans cette histoire, qui est Mad? Eh bien Mad, c'est une célèbre comédienne à la retraite qui vit à la campagne avec sa petite fille de 19 ans, qui s'appelle Emma, et puis aussi avec les 6 jeunes garçons qu'elle a adoptés. Et puis dans cette maison, dans ce cottage anglais, il y a également Dottie, qui est l'ancienne maquilleuse-habilleuse de Mad et qui est devenue intendante de la maisonnée, une maisonnée très très agitée avec ses 6 jeunes garçons qu'a adopté Mad à l'âge de, enfin, vers ses 70 ans, puisqu'au moment du roman, elle a dans les 80 ans. Alors Mad, c'est une femme qui est très fantasque, qui élève ses garçons sans leur fixer de limites, ce qui inquiète beaucoup beaucoup Emma, qui a 19 ans et qui a décidé qui se prive un peu d'aller vivre sa vie, mais qui a décidé de rester un peu auprès de sa grand-mère pour essayer de la canaliser, parce qu'elle s'inquiète sur sa façon d'élever les garçons et surtout dans ce contexte très très trouble de ce qui se passe en Angleterre. Alors le jour où un régiment d'Américains va venir contrôler la côte, le bord de mer, et va réquisitionner la grange de Mad comme base, eh bien la vie de cette famille très originale va se retrouver bouleversée, et chaque journée va apporter son lot d'aventures. Et ceci au grand désespoir d'Emma, qui n'est pas insensible au charme d'un officier américain. Emma va du coup être un peu tiraillée entre sa grand-mère qui va se lancer dans la résistance et elle qui est plutôt attirée par ce charmant officier. Alors je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à... J'avais acheté ce roman d'occasion, je savais pas du tout de quoi y retourner. J'étais très surprise de voir qu'il s'agissait d'une dystopie et cette histoire très inattendue m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de revirements, beaucoup de suspense, beaucoup d'humour aussi. Alors, c'est écrit dans les années 70, pourtant l'écriture n'est pas du tout vieillotte, et j'ai retrouvé l'écriture dynamique, entraînante et teintée d'humour noir de Daphné du Maurier, ça m'a beaucoup plu. Et puis c'était vraiment rigolo, et même au-delà de rigolo, intéressant d'apprendre, de découvrir comment l'auteur, dans les années 70, imaginait qu'on allait vivre en l'an 2000. C'est assez rigolo. C'est extrêmement troublant également, et aussi intéressant de se rendre compte que l'auteur, elle avait pu imaginer un certain Brexit, et ceci dès les années 70. C'était quand même assez visionnaire, c'est assez troublant. Il y a quand même, j'ai trouvé, quelques longueurs, et notamment, vous l'avez compris, entre Emma et cet officier américain, une petite histoire sentimentale. Moi, ça, c'est pas trop mon truc, mais bon, il y a loin de là, c'est pas que ça dans ce roman, donc ça m'a plu. J'ai vraiment, au-delà de cette petite histoire sentimentale, j'ai beaucoup aimé ce roman, très surprenant, très original, à la fois désuet et très contemporain par les thèmes abordés, notamment la gestion politique des crises économiques, la liberté de contestation, la notion de colonisation, c'était très intéressant. Je recommande vraiment ce roman d'anticipation un peu vintage, qui montre pleinement toute la richesse des réflexions et d'imagination de Daphné du Maurier. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de poursuivre la découverte de son œuvre. Voilà, c'était Daphné du Maurier, Mad, que j'avais trouvé d'occasion chez Le Livre de Poche. Alors, au niveau de mes lectures en cours, c'est un vrai régal en ce moment, c'est un vrai festin. J'ai dévoré depuis dimanche Volkswagen Blues, que j'avais trouvé d'occasion il y a quelques mois, de l'auteur québécois Jacques Poulain, un auteur que j'aime énormément, qui écrit des romans très contemplatifs, des histoires très intéressantes avec un bon humour, mais dont les romans sont très difficiles à trouver en France. Donc quand je l'avais vu d'occasion, j'avais sauté dessus. C'est un roman écrit dans les années 80, c'est un road trip entre le Canada et la Californie que va entreprendre un écrivain qui recherche son frère, et donc ce road trip qu'il fait dans un vieux van Volkswagen. Il va emprunter les routes de la conquête de l'Ouest au 19e siècle, donc une dimension historique super intéressante. J'ai
J'en dis pas plus, j'en parlerai en poids lecture, mais vraiment, j'ai adoré ce roman qui m'a offert 3 jours de voyage absolument géniaux entre dimanche et hier soir. Je l'ai terminé hier soir. J'ai débuté hier soir, au moment de me coucher, un roman coréen de Gang Ji-young, Les Enfants du Silence. Alors, c'est l'histoire d'un professeur qui prend un poste dans un internat pour enfants sourds et qui va découvrir des choses atroces qui se passent dans cette école. J'ai été complètement accrochée à cette lecture, c'est très très addictif et glaçant. J'ai dû m'arrêter pour dormir parce qu'il fallait bien dormir. Alors, j'ai lu 80 pages, mais j'aurais volontiers passé une nuit blanche avec ce roman. Donc j'ai hâte de m'y replonger cet après-midi. J'aurai un petit peu de temps pour lire cet après-midi, donc il va être vite lu. Je pense que ça va être. On est parti pour un coup de cœur. Donc voilà, c'est une très très bonne période de lecture en ce moment. Je lis beaucoup, j'ai besoin de beaucoup lire en ce moment. Donc il risque d'y avoir pas mal de points lecture qui vont arriver. En tout cas, dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment en commentaire ou si vous connaissez les auteurs dont je vous ai parlé, Gong Ji-young, Jacques Poulain, Daphné du Maurier et Camille de Peretti. J'adore échanger avec vous en commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment ce qui me motive à venir parler de mes lectures ici. Donc n'hésitez pas à commenter. Et si jamais, bien entendu, vous n'avez pas le temps, ce qui est tout à fait normal, envoyez-moi un petit signe, genre un petit emoji, pour me dire que vous êtes là. Ça fait toujours super plaisir. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour un prochain point lecture. À bientôt!